Bonjour à tous, je suis Stéphane Clavaron et dans cette petite vidéo, on va parler de la fraise étagée Hunger. Donc moi, je choisis la fraise étagée parce que c'est une fraise que j'utilise assez régulièrement. C'est une fraise qui nous permet d'aller du diamètre 4 au diamètre 20. Ce qu'on peut déjà voir dessus et qui est très appréciable, c'est l'angle d'attaque, la rainure qu'on voit ici. C'est ce qui va attaquer le matériau et on voit qu'elle est hélicoïdale, elle n'est pas droite. Là, c'est une chute de profilé que j'ai en carré qui fait 1,5 d'épaisseur. Donc pas de après-trou, donc je mets quand même un peu d'huile de coupe parce que c'est toujours appréciable. On voit tout de suite que ça rentre comme dans du beurre. Après, je suis vraiment à une grande vitesse, mais comme ça au moins ça permet de tester si ça résiste à haute vitesse et tout ça. Ça entame bien et franchement, pas de soucis, hein. Donc là, on va reprendre un petit morceau d'alu qui fait 1 cm d'épais. Donc on va tester avec ce petit morceau-là, voir ce que ça donne. Donc on voit bien, ça a bien traversé, hein, et on a bien le comment on voit bien les systèmes étagés. Je les même pas chaudes, hein. Donc ces fraises-là, je les utilise beaucoup. Moi, c'est quand je fais du placo. Donc voilà, donc j'utilise ça. Moi, c'est pour faire des trous et passer mes gaines. Parce que à l'origine, hein, c'est du HSS, c'est fait pour la ferraille, mais j'ai essayé aussi sur du bois, sur du plastique, sur de l'alu, enfin voilà, un peu tout. Et franchement, cette petite fraise, j'ai été agréablement surpris. Et en plus, on peut voir, bon, c'est moi qui ai remis le petit capuchon, on peut voir que elle n'est pas du tout abîmée. Donc du moins. Pour ce produit de la gamme Hunger, je le valide, mais alors sans problème. Merci bien à tous et une bonne journée.